Allez, ça tourne plutôt tranquillement côté, côté Créteil. Avec l'ouverture du score sur cette jolie roucoulette signée Thomas Spiller, le tchèque. Et ça fait toujours un partout. La remontée de balle rapide là aussi. Le bon service de Boragan. Et la parade de Dylan Soyer. Le week-end dernier par Saint-Raph. Mais après un match plutôt intéressant néanmoins dans le contenu. Ouais, Dylan Soyer qui a effleuré ce ballon. Et Nancy qui prend un petit avantage de 2-1. La solution à l'aile et la réponse immédiate. Bon, sachant qu'on joue en cage vide. Hein. Côté Créteil, le petit ballon déposé. Superbe roucoulette de Mario Lopez. Dans la foulée de son bon match encore, il est sur un gros pourcentage Mario Lopez depuis le début de saison, 88% de réussite. Avec tout simplement 3 matchs à 100%, on le revoit. Là elle est parfaite face à Obrad Ivezic. Et toujours 8 partout du coup après ces deux tentatives. Et la lucarne nettoyée, le milieu de cette première période. Avec Thomas Spiller qui vient déposer ce ballon. Et là voilà la solution au pivot. Deuxième ballon perdu, hein, c'est double sanction avec en plus l'égalisation. Bien sûr la relance rapide de Dylan Soyer. Et les deux buts d'avance, ils y sont. Deuxième période. Et pas le temps de douter pour Nancy. Javier Boragan qui se rappelle au bon souvenir de ses coéquipiers. Son quatrième but, ça va à 100 à l'heure décidément dans cette partie. Qui n'avait trouvé la faille qu'une fois en première période. Son deuxième but de l'après-midi. La solution au pivot. Qui avait joué l'intégralité du match, à part sur quelques jets de 7 mètres. Le petit lob, il en faut. Hein. Les shoots sont compliqués aussi pour les tireurs. Asgerson qui trouve enfin une solution. C'est dommage, Samuel Dean qui va se présenter seul face à Ivezic. Et le duel remporté par le jeune ailier des Béliers. Samuel Dean qui aura un gros temps de jeu. Hein. Du coup, aujourd'hui, lui qui n'avait mis que 3 petits buts cette saison à 100%. Enfin, qui a fait le mondial avec la sélection du Congo, comme Aurélien Tshitombi d'ailleurs, et qui a fait la différence petit à petit pour se détacher. Thiago Rojli cet après-midi au pivot Ante Babic. Très intéressant ce qu'on a produit au pivot côté Créteil. 7 buts à 7 sur 8 pour Valentin Hamann. Valentin Hamann à 7 sur 8. Et Soyez une fois de plus, qui décidément continue son festival. Parade pour lui. À 38%, ce sera la réception de ses sons et on va s'arrêter là. La victoire pour les Béliers de Créteil après ce festival offensif. 17 partout à la mi-temps, 39 buts marqués par les Béliers. Après-midi bien compliqué pour les gardiens lorrains.